Une croix sur mon calendrier pointe le 21 décembre 2012 et me donne un coup de blues. Car c'est le jour où se sont donnés rendez-vous les astres sur les crop circles pour nous tomber sur la gueule. Mais je ne veux pas croire la prophétie maya. Une petite abeille ne parle pas comme ça. Il faut encore chanter pour éviter la tuile. On a bien survécu au bug de l'an 2000. La fin du monde, on n'en veut pas. La fin du monde, rentre chez toi. L'axe de la terre va changer, mais on va tous bien s'accrocher. La fin du monde, on n'en veut pas. La fin du monde, rentre chez toi. Donnons le bonjour à l'éclipse et boycottons l'apocalypse. Et si les prophètes de malheur avaient exagéré pour plaire aux lecteurs, juste par la peur du beat? Et peut-être que Nostradamus avait simplement des problèmes à l'anus quand il parlait d'astéroïdes. On ne veut pas être enlevé par les extraterrestres. On est bien sur la Terre, on y est, on y reste. En nous laissant la vie, seriez très sympa. En échange avec les témoins de Jéhovah. La fin du monde, on n'en veut pas. La fin du monde, rentre chez toi. Les cieux, les pôles vont s'inverser. Il suffit de déménager. La fin du monde, on n'en veut pas. La fin du monde, rentre chez toi. Et voilà, j'ai arrêté mon abonnement au câble. J'ai donné ma voiture et ma maison. J'ai brûlé tous mes papiers. J'ai empoisonné au miel ma femme, mon chien et mes enfants. Et dans ce trou à ciel ouvert d'où j'attends les étoiles, j'ai comme un doute. Et pourquoi t'as un doute? Pourquoi? Bien sûr que ça va arriver puisque c'est écrit dans la Bible. Attaque. Il y a des conneries même dans la Bible. Alors là, c'est vraiment la fin du monde. Et ça, non, hein. La fin du monde, on n'en veut pas. La fin.